Quelle honte. On n'a jamais vu ça nulle part. Si, monsieur, on voit ça au Louvre, un petit con. Lâchez-moi. Je vous ai vu et vous m'avez permis de vous embrasser. Tu peux pas envoyer ça. Tu veux que je t'en torche une, moi, comme tu dis? Tu ferais ça. Ton grand succès, là, combien tu m'as vendu? Passe-moi. Oui, ça a bien marché. Et au lieu des meilleurs, la guerre nous avait débarrassés de tous les imbéciles. Bon, heureusement qu'il en reste quelques-uns, parce que sinon, toi et ta bourgeoise, vous dîneriez tout seul. Hein. Ça va, c'est bon. Tu ramènes tout à toi. Il n'y a que toi qui doutes. Moi aussi, je change un mot, une virgule. Tu ne lis plus mes livres. Tu les juges. Elle est où ta violence aujourd'hui? Tous ces bourgeois que tu détestais sont devenus tes amis. Abominable. Tu me vois comme ça? Il y a autre chose dans ce livre que des détails de merde, plus ou moins inspirés de ta vie de merde. Tu es un voleur, Émile. Un voyeur et un violeur. La meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est de ne plus t'aimer. Oui, on t'a quitté. C'était il y a 20 ans. Il t'arrive d'être jalouse de ces modèles? Tu m'en moques bien de ces modèles. Rival à moi, c'est la peinture. Peindre comme tu écris. Sans passer tes cheveux. Dans ton gros ventre.